avec directement des éliminatoires où j'ai pas eu la possibilité de voir d'autres joueurs. On a été tout de suite dans des matchs où le résultat était important. Donc pas la possibilité de travailler sereinement. Donc là c'est une opportunité qui est la seule, puisque après on aura une liste à donner pour préparer la CAN. Donc on a pris il n'était pas le seul, hein. il y a d'autres joueurs comme ça dans cette situation. Raïs Mboulhé aussi n'était pas prévu dans cette liste avant qu'il se blesse. Donc il n'était déjà pas prévu. Donc il y a d'autres joueurs qui sont dans cette situation. On a besoin de voir un peu tout le monde. Les 26 qui sont présents sont normalement prévus pour qu'ils aient tous un temps de jeu important. Et puisque l'objectif de ces deux matchs-là, c'est justement d'avoir quelque part une sorte de revue d'effectifs. C'est lui la seule fois qu'il est possible de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné 26 joueurs. Et l'idéal, normalement, il devrait y avoir deux équipes différentes sur les deux matchs à venir, et voir un maximum de joueurs avant de tirer des conclusions pour le prochain, pour la liste définitive des joueurs qui iront à la CAN.